Alors aujourd'hui, c'est le lancement officiel du projet donc Interreg Siberius Connection. Donc un projet européen donc qui va durer sur plus de 3 années. Et donc un projet qui compte 9 partenaires européens. Donc 4 partenaires brestois, 3 centres sociaux du Pas-de-Calais, le Medway Council, donc qui se situe dans le Kent, et le Suffolk County. C'est une question d'échange de cuisine, de danse. En fait, c'est les cultures différentes qui vont se mélanger avec l'Angleterre. Il y a plusieurs disciplines, on va dire. Donc, il y a de la danse, de la mécanique, de la musique, de la cuisine aussi. It's been good. This morning we did some cooking and then we did some music and now I'm just going to do some belly dancing. The French food is quite different, so I quite enjoyed learning how to make that, yeah. The final objective, obviously, it's about getting young people to obtain new skills, but as well qualifications. We're hoping that for each of the topics, the activities, we'll get people to get qualified, officially qualified. The reason why we're participating in the Cyber Youth Project is because it's very important for our young people to be able to participate in creative activities that will help them improve their skills, their employability, and also cultural awareness, so they realise that young people in other parts of the UK and in France have the same issues as they do, they have the same problems, they have the same dreams for the future. Moi je suis une danseuse, du coup le fait de découvrir des musiciens qui viennent pas d'ici, enfin qui viennent pas de Brest, et même de la mécanique, bah c'est intéressant quoi, pour découvrir. Niveau langue, bah on s'enrichit déjà. Et puis on parle avec les autres, du coup on sait pourquoi, on apprend à les connaître et à savoir pourquoi ils ont cette passion de la musique ou de la cuisine. We thought represented CYC. We've come up with 2 slogans again. We've got new skills, new friends. Basically, you learn new skills by making new friends. And then we've got helping youth gain skills. Pretty similar idea. Helping youth children gain new skills through cooking, mechanics, music and media. Nous, dans notre partie mécanique, consiste à partager un sport qui est le motocross et aussi la mécanique. Donc voilà, on est ici aujourd'hui pour ça, pour le lancement officiel du projet Interreg. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité, comme Arthur, d'aller rouler tous les week-ends sur un terrain de moto avec sa propre moto. Ou alors par exemple, faire de la danse avec un professeur de danse. Ou la cuisine avec un grand chef cuisinier et tout. Et je trouve ça vachement intéressant pour les personnes qui voilà qui n'ont pas les moyens de faire ces choses-là en elles-mêmes. Je crois que l'animation, l'éducation populaire, c'est des choses qui évoluent. Et effectivement, pendant très longtemps, on a été des organisateurs d'activités. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une autre logique où effectivement, maintenant, on doit être des porteurs de projets. On doit effectivement aussi impliquer les jeunes là-dedans et surtout les sensibiliser sur les questions européennes. C'était aussi un enjeu par rapport aux professionnels. C'est un peu nouveau d'avoir des comités de pilotage à 800 km de chez nous, d'avoir justement maintenant à travailler sur de la comptabilité anglaise, ne serait-ce que de aussi rédiger en anglais, parler anglais, etc. Suite aux ateliers cuisine chez Marc Morin, nous avons pu observer différentes manières de travailler la Saint-Jacques. Nous allons donc aujourd'hui vous proposer une recette à base de notre Saint-Jacques qui sera brochette de Saint-Jacques
au chorizo. Et voilà les résultats. I've been mainly like doing the music side of it, like DJing and stuff, and I got picked today to come here because like, I was doing the DJing, and like I was lucky enough to like get the opportunity to do that at my local youth club, and yeah, so. Il y a plein de petites idées, des projets, des musiciens, des danseurs, des chanteurs. Non, c'est assez sympa. Ouais. Ben, je me rends bien compte que les autres travaillent pas comme nous et la curiosité grandit. Je pense qu'on est habitué à organiser des événements, mais qu'on fait des choses depuis des années, il y a plein de choses de rodées. Là, il va falloir organiser quelque chose différemment en tenant compte des autres et tenant compte des différences des autres, voilà, des Anglais. Donc là, c'est un nouveau challenge à ce niveau-là. I think it's exciting. It's working with partners, it's being able to meet new people, it's being able to really think adventurously and think big. One of the things that I find really motivating is that it's over a long period of time. A lot of our funding can be very short, can be maybe for 6 months or a year. To be able to think for 3 years that we know where we're going is really, really exciting. I would like to achieve working with CYC is some like learn mechanics so I can fix my bike, for instance. Maybe some music tech as well, so I can do some events. And it's everything looks like 3 in the morning at night. Every time you rush tight, show it there for you. En fait, on a préparé des pâtes, et on va chacun par groupe choisir la recette qu'on veut faire pour mélanger avec les pâtes. Il y a un chef italien, je crois, qui est habitué à faire des pâtes,
Et il y a une, la dame là, elle s'appelle Bess, et c'est pareil, c'est une anglaise, et elle nous aide, et il y a une traductrice quoi, pour, parce qu'on ne parle pas vraiment anglais. People don't cook enough at home. Everything comes out of a packet now. It's not like when my dad used to cook for me that you would go out and shoot a duck, bring the duck home and make the duck from fresh onto the plate. Well, here everybody out of a packet in the oven on the plate. So it's nice that they can be left alone, and the things that they're doing, it's amazing because you show them once and they're doing it. Whilst, yeah, so they're a really good group of kids. Right now I'm making some bread, which I've decided to make look like a garden. I don't know why it happened. This is rosemary, celery, mixed herbs and spices, tomato flowers, and then it's got olive oil around it just to make sure it gets a crust. You've got to push it in so it doesn't fall out when the bread rises. It is because of the language barrier, but food is food. It's all hands and knives, so as long as you can show clearly what you need them to do, they'll do it. You watch, you copy, you do it. It's just, you know, it's just as easy as that. Anybody can learn food. Today's more been about creativity and making up their own sections. And they've been really just getting to grips with kind of like the basics of everything. So just about how they move, how they present themselves on stage. Well, first we like dancing together as like French and English. And then we got to get into our own groups and then make up our own piece of movement and then put it all together. So it's one massive dance. Pour le show de ce soir, on va faire la chorégraphie qu'on a créée. Et donc on les a toutes mises en œuvre. Et ensuite, on va aussi faire la première qu'on a fait ce matin. Donc en fait, toute la journée est faite pour le show de ce soir. Le prof ne fait que superviser, il fait que, après, dans le grand ensemble, nous dire à quel moment on passe ou des choses comme ça. Mais on fait vraiment notre propre chorégraphie. Et bah, c'est cool là, de pouvoir venir faire un stage ici parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend à faire beaucoup plus de danse. On apprend aussi un peu plus à parler anglais, donc c'est pas mal, ça nous fait vachement progresser. My name is George, I'm a professional drummer, and today I've been working with some young people to do drumming on rubbish, like bins, saucepan lids, different rubbish basically, recycled percussion. On doit faire des percussions avec toutes sortes de bah, des poubelles, ouais, des tonneaux, les rythmes, tout ce qui est bah, tous les rythmes corporels sur les poubelles, le son que ça peut faire. Genre quand on est assis, les différents sons que ça peut faire. We've been using rhythms and using language. So the way we say beans on toast in English is different in French. So we've been using the difference of our languages, but the common ground being that everything we say has a rhythm. And so I think this should happen more, that we should have people from different countries and integrating, you know, because music's a universal language. I've learned to learn how to use a couple instruments, and me and my mate, I come here with my mate raps too, and we just sat down, recorded a track together and made a new track out of fresh with no edits, and it's sounded good, yeah. Moi j'ai un groupe en France et je suis la seule à être venue, donc bah, là ça me permet de jouer avec d'autres personnes, parce que je joue toujours avec les mêmes, donc là c'est vrai que ouais, ça me permet de jouer avec d'autres personnes qui ont d'autres styles de musique, etc. Donc d'autres façons de jouer, donc c'est plus sympa quand même. I think it's good for young people to explore the music industry. Like, I think it's good to come here, like, instead of being at home doing it all yourself, it's good to meet new people. Three, two, one,
nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser la pizza Sibelius Connection. Bon appétit! Like you. With Louise, we are going to be writing our own song, and we are going to be, it's like a project that we're doing where, with CYC, where we come together, we meet up, she'll come over to England, and I'll go over to France, and we'll write our own song, and then record it. Ben, au mois d'octobre, il y avait une rencontre en Angleterre et de là, un soir, on pouvait faire un spectacle et moi, j'ai dit que j'allais chanter, Tyler a chanté aussi et à la fin de la chanson, on s'est vus, on s'est rencontrés et de là, l'idée du projet est venue. On enregistrera normalement au studio du Brader à Boulogne notre chanson pour qu'elle soit sur un CD et ensuite j'imagine qu'on chantera à la prochaine rencontre. So happy, so happy. 5, 6, 7, 8. This is my story. I gotta let it out. I'm blowing all my heart. Spit bars on the street, my last peak. So I tried to relief, I feel deep, but still I don't speak. Forget the heat, I'm all about my cheese. Sprinkle crumbs to my mum, that's all she ever needs. Pilotes, 3 anglais, 7 français peaufinent les derniers réglages à moins de 15 jours de l'Enduropale. Ils font tous partie d'un projet européen, le Sibelius Connection. Objectif, à partir d'une passion, les aider pour plus tard à s'insérer professionnellement. En fait, il y a eu notre prof de hip-hop, Julien, qui est parti en Angleterre et au Nord-Pas-de-Calais pour entraîner les Anglais pour la chorégraphie. Et ensuite, après, il est venu nous apprendre en France pendant une semaine. Il faut savoir que les Anglais et les gens du Nord qui ont dansé aujourd'hui, ils n'ont eu que 3 après-midi d'entraînement avec Juice qui s'est déplacé dans le Nord et en Angleterre. Et franchement, c'est peu pour ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Et franchement, je les félicite parce que ils ont assuré. Ouais. On a commencé à parler aux Anglais que tout à l'heure là, il est à peu près 2h30 avant la parade. Et voilà quoi, c'est venu tout seul. Et toi? Moi c'est pareil, hein, c'est l'anglais du lycée. Et non mais ça va, ils essaient de nous comprendre et tout.
Et parfois ils parlent un peu français, enfin un petit peu. Et voilà quoi, bah, c'est bien. Bah moi les Anglais, les gens du Nord, ça fait déjà un an que je les connais entre guillemets. Parce que j'étais allée dans le Nord l'année dernière et en Angleterre, à Londres en octobre. Donc bah c'est cool parce que moi du coup je les ai retrouvés. Enfin on a gardé contact et puis ils nous ont fait des petites surprises pendant la parade parce qu'ils ont fait des trucs qu'on s'y attendait pas du tout. Du coup c'était cool et bah, j'aimerais bien que ça continue quoi parce que c'est sympa l'échange. Let's keep him up buzz while you break like cigarettes. And I'm sick of this fam, it's ridiculous. You can't have one bar and claim you're a lyricist. Everyone's telling me that I gotta bring it. I'ma victimize the whole game till I win it. You're not gonna stop me from raving it. You're not gonna stop me from having it. You're not gonna stop me from smashing it. What are you panicking? All you are is a mannequin. Swerve you, zup zup zup, like Babbage. We're working on 6 different tracks to perform in the Brest Hip Hop Festival. We've been working on them for about, I'd say, how long have we been working on them now? About 12 weeks, but the main progression that we've been doing is today and yesterday, and hopefully tomorrow at the festival we're going to smash it. Eux, ils ont créé leurs morceaux. Ensuite, ils nous les ont envoyés. Nous, on les a travaillés un peu de notre côté, et puis voilà. Là, avant le concert, on se voit quelques fois pour répéter, pour mettre ça en place avec les rappeurs. What I was impressed with the French musicians is the fact that they've listened to the electronic beats and they've turned them into a live sound. And it was really good the way they've got their keyboard, and he's got the drummer's got the drum pad, and he's put the samples on there too. So between us, we've managed to get the electronics over as well as the live part of the sound. Enfin, en tout cas, c'est bien dynamique avec les Anglais là. Ça change de ce qu'on fait parce que nous on a un rappeur français et on fait plus de la musique néo-soul et plus posée quoi. Et là, c'est la musique beaucoup plus dynamique, plus dubstep. Voilà. Hip-hop, ouais. C'est hip-hop, mais plus dubstep, quoi. Plus jungle parfois, tout ça. Donc c'est autre chose que ce qu'on a l'habitude de jouer, ça fait du bien. Mm. Surtout avec de l'anglais, quoi. Well, we finally just arrived here from leaving very early this morning. And we're just training at the moment for the b-boy battles tomorrow night. Aujourd'hui, c'est un peu un échange qu'on fait. Enfin, on s'entraîne tous ensemble, on échange et du coup, en fait, ça permet d'évoluer. Chacun apporte sa petite graine à l'autre et toujours bonne entente. En fait, la danse, c'est vraiment on s'amuse. On n'est pas là pour créer des tensions ou la compétition. Ça se déroule vraiment que pendant le battle. Une fois que le battle est terminé, c'est vraiment bonne entente en fait. It's just a massive opportunity, not for myself, but for the guys I'm dancing with, as well as all the children we're bringing over from the youth groups. It's giving them a chance to learn more about hip hop. Fame of fortune, poker game of rap, you know I go all in. Poker game of rap, one day I'll be balling. Rapping is a way to make you stop falling down. Lie down to the ground, the shit you yeah. Cette semaine, on travaille sur le WP4, donc sur la mécanique.
Donc des Anglais sont venus de Medway, des jeunes du Pas-de-Calais, donc de Wimereux, de Saint-Martin, de Arc sont venus pour découvrir le monde des caisses à savon, parce qu'ils ne connaissent pas du tout ça chez eux. Donc nous, on est habitués à faire ce genre de véhicule, donc ils viennent pour apprendre à construire des caisses à savon. Ils vont participer à une course samedi prochain, une course officielle, et également pour s'initier à la motocross ou se perfectionner selon les niveaux. Bah, durant une semaine, en fait, on a commencé à construire une caisse à savon à partir d'un châssis de cartes. Donc chacun l'a personnalisé comme on a pu, on a acheté, on s'est organisé avec nos animateurs, on a fait tout le travail, outils, et on l'a construit de A à Z en fait. I spent most of the week learning how welding works and how the wheels are attached, the brakes, how the mechanics of it work. Pour nos jeunes, c'est vraiment intéressant parce que rien qu'aujourd'hui, le fait d'avoir été dans les locaux de la caisse à clous, d'avoir découvert ce que c'est que ces engins, avoir participé à la création de cet engin, ils ont déjà acquis des compétences et c'est ça aussi le but du projet. Là notamment, ils ont appris à souder par exemple aujourd'hui. Ben, pour des jeunes comme les miens, je voyais un qui était en SECPA actuellement, moi j'étais tout fier de me dire qu'il avait appris à souder aujourd'hui. Tout le monde a bien joué le jeu, super. Ouais, bah oui, c'est bien pouvoir rencontrer du monde aussi sur un projet comme ça et moi je trouve ça sympa et que c'est à refaire. Ouais, c'était bien de faire participer les Anglais et les gens du Nord aussi. We spent most of the week helping them with their cars, they helped us. All been a massive great big team. Ça nous a permis d'apprendre de nouvelles choses. Et surtout, il y a des amitiés qui se sont formées entre les Anglais, les Français, les Brestois, tout ça. Donc c'est génial parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait être amis avec des gens qui habitaient à 600 km de chez nous ou à 30 km avec le shuttle. I think like working with all the French people has made me realise that everyone's equal. Like, so just because they live in France, we're all the same. Like, when I thought of French people, I thought, oh, they're from a different country. We probably wouldn't be able to understand each other. But like what they've said about we understand music and through that, but it's helped me really understand. Ils ont progressé à divers niveaux. D'une part, au niveau des compétences culinaires, au niveau de la cuisine, mais aussi d'un point de vue de communication. Moi, je me souviens des toutes premières cyber sessions où on avait Laura qui doit être derrière moi, qui se planquait derrière son papier avec les phrases un peu traduites en anglais pour parler aux Anglais, ou Quentin qui vient de passer derrière moi là, qui se planquait pour ne pas justement parler aux Anglais. Et puis aujourd'hui, quand on fait une cybersession, ils sont très à l'aise, ils préparent leur texte et c'est eux qui sont vraiment pleinement acteurs de la cybersession. Et voilà, ils ont vraiment acquis cette compétence de pouvoir parler à des jeunes d'une autre nationalité sans crainte d'un sujet qui les passionne en fait. It's been very rewarding seeing them try things they've never tried and to go on and cook these things at home. On a appris à préparer plusieurs plats, des plats typiquement anglais. On préparait tous avec les Anglais, donc on avait l'occasion de parler avec les Anglais. Bah, ça m'a permis de découvrir un nouveau métier en fait, et bah, d'acquérir une nouvelle expérience. Et tout ce qui est expérience professionnelle dans n'importe quel métier, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est important de découvrir plusieurs métiers dans une vie. Je savais pas quoi faire. Je savais pas du tout dans quoi je voulais faire tout ça et là la cuisine ça m'intéresse. Et j'ai bien aimé donc je vais en faire mon métier.
On a construit un engin avec les centres de Saint-Martin et Arc. Et là, bah, y a un challenge pour gagner de l'outillage avec les Anglais. It's just something we may not, without the partnership, something we probably would never have the chance to venture into, to practice our skills in a different country. It's been quite amazing. Et on a appris beaucoup de choses grâce à Christophe. On a appris à piloter une moto grâce à Sébastien Sago, de la mécanique. Maintenant, on pourra aller chercher du travail sans problème. Bah, je sais pas, mais il y a un truc j'ai pris de la maturité, tout ça. J'ai moins peur d'aller vers les patrons, à parler, tout ça, qu'avant, j'étais un peu timide. Ça a permis aussi pour les professionnels, hein, pour les professionnels de la jeunesse, de développer de nouvelles compétences en termes de mobilité pour eux-mêmes aussi. Et puis de développer, je dirais, d'autres possibilités d'activité pour les jeunes. Pour nous, ça a été l'opportunité de travailler avec des partenaires qui ont des façons de travailler différentes. Parfois, des petites incompréhensions aussi. Il peut y avoir des décalages culturels, des incompréhensions, ce qui est intéressant aussi. On a réussi, je pense, globalement à les dépasser. Et puis de voir comment on travaille ailleurs. On a échangé avec d'autres groupes, des groupes anglais, qui nous a permis aussi de découvrir la culture anglaise, qui est riche musicalement, et aussi en quelque sorte des concerts, un aboutissement des concerts. Et en fait, ce qui clôt un petit peu là, ce projet, nous, c'est d'avoir partagé, d'avoir fait une chanson avec le groupe The Revelation, un groupe d'anglais avec qui on a composé la chanson. Une chanson qu'on avait donc du coup enregistrée l'année dernière. En Angleterre avec les Anglais. When we first started, we've got a load of different individuals from ages, different backgrounds, you know, different cultures, and they were all brought together by music. We all made music together, no matter what. We always had fun. We had people that had never rapped before or never sung a song before. We had people that had never even known how to make music. We had people that had, you know, mental difficulties, physical problems. With dyslexia that can't even write, you know, that were making music, people that thought that they wouldn't be able to do it. And then after a couple of weeks, they developed, you know, and then after the first couple of weeks, you see a change in them, you know, you see a bit of confidence growing, you see a bit of pride, a bit of happiness in something they've done. And then as the months go by, you know, you see a bit of change in their character, a bit of change in their personality. And that's the best thing, to know that you've taken someone and given them an opportunity to do something they wouldn't have been able to do if you weren't there, and improved them as a person and made them feel better about themselves. I've had people come up to me and tell me how good they feel about themselves since we've started this project and how proud they are of their music. Just to say thank you to everyone, young people from Brittany, Nord-Pas-de-Calais, Suffolk, from Medway, from all the youth workers from Medway, for their amazing work, for all the managers, for everyone. This was the final event of the project. Hope you enjoyed. So just applaud them. Oh,
Thank you.